Avec tous les raillés, avec tous les
dont tu défends ton tentation. Avec le dernier corps trébuchant des affreuses cils de nuit et brouillard. Avec les 8000 Français qui ne font pas reculer les mains. France avec le peuple des blondes et disparu avec elle. C'était impossible! Le commandant Vignon est mort! Fais sortir ces hommes des tranchées! Alors! Qu'est-ce que vous attendez? Que ces hommes sortent d'ici! J'ai essayé trois fois, regardez les pertes que nous avons! Je sais! Essayez encore une fois! Allons-y! Il faut encore essayer! C'est impossible! Tout l'effectif se replie! Mon colonel, respectueusement, je me permets, pardonnez-moi, mais les réflexions que vous me faites sont très injustes, mon colonel. Je vous dis que c'est impossible, tout à fait impossible. En général, selon les premiers rapports, notre attaque a échoué sur tout le front. Les hommes se replient en masse vers nos tranchées. Commandant Saint-Auban, donnez des ordres pour qu'immédiatement on relève le 701e régiment, qu'on les envoie au château de l'Aigle, et que le colonel Dax se présente à mon quartier général, commandant Couder. Rassemblez d'urgence un conseil de guerre, qu'il soit prêt à siéger à 3 heures demain après-midi.